Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Colombianito, c'est Donifan. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Nueva Venecia, dans le département du Magdalena en Colombie. Alors, il faut savoir que c'est l'un des rares villages. Alors, en espagnol, on dit Pueblo Palafito, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est un village sur l'eau. On a ici environ entre 300 et 400 maisons construites sur l'eau, sur la Ciénaga de Santa Marta, donc le fleuve. Et on a à peu près presque 3000 personnes qui habitent dans ces maisons. C'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est très peu touristique, les gens sont très très sympas, c'est très simple d'accès. Moi je suis parti de Barranquilla, j'ai pris un bus, ensuite un bateau, derrière ça j'ai pris un mototaxi et un autre bateau pour arriver jusqu'ici, et ça va faire deux jours que je me promène avec mon guide, El Señor Leo, qui m'explique un petit peu bien comment ça fonctionne, comment on construit les maisons, comment vivent les gens ici. Il faut savoir que plus de 90% des gens qui habitent à Nueva Venecia vivent de la pêche. C'est un endroit qui est, on va dire que les gens ont une vie relativement simple, alors bien qu'ils vivent sur l'eau, mais c'est très tranquille, ils vivent justement bien au fil de l'eau. Ça paraît un peu bizarre, mais voilà, c'est vraiment un endroit que je vous conseille, c'est très calme, très sympa. Moi j'ai adoré et ça vaut vraiment le coup de venir passer au moins une petite nuit ici pour découvrir. Je viens de voir le lever du jour sur la Ciénaga, c'est magnifique. Je vais vous laisser toutes les infos en commentaire de cette publication et aussi dans un article de blog sur colombianito.fr pour que vous puissiez savoir comment se passe la logistique pour arriver jusqu'ici, qu'est-ce que vous pouvez manger et quel budget il faut prévoir pour pouvoir visiter Nueva Venecia. Si vous avez des questions, des doutes, vous me les posez en commentant cette publication, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook ou sur le blog, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.